La procédure expérimentale de détermination du mode de réseau de Bravais d'une phase cubique par utilisation des rapports D1 sur DI est la suivante. La première des choses à faire est de relever les angles de diffraction des pics ou raies de diffraction. D'après la technique expérimentale utilisée, les angles de diffraction sont obtenus ou bien sous forme de 2 θ ou bien sous forme de 4 θ. Nous rappelons que les techniques permettant d'accéder à 4 θ sont les techniques où le détecteur est un film photographique, comme c'est le cas pour la méthode de Bacherer ou la méthode de Guigné-de-Wolf. Quant à la méthode permettant d'accéder à 2 θ, c'est la méthode du diffractomètre automatique. L'avantage de cette méthode et de celle de Guigné, c'est qu'elles permettent de déterminer les angles de diffraction avec une grande précision. Et la méthode du diffractomètre automatique présente un avantage supplémentaire, c'est qu'elle permet d'accéder également aux intensités des pics de diffraction, ce qui permet de faire l'analyse quantitative. Pour plus de détails sur les 3 techniques qu'on vient d'évoquer, voir les vidéos que nous leur avons consacrées. Une fois qu'on dispose alors des angles de θ ou 4 θ, on dresse alors la liste des angles θ de diffraction, du plus petit au plus grand. Et disposant des θ, on procède au calcul des distances interréticulaires et ce par le biais de la relation de Bragg, de d sinus θ est égal à lambda. Le problème à cette étape, c'est qu'on ne dispose pas des ordres n de diffraction, ce qui est normal puisqu'on ne dispose pas encore de l'indexation des raies de diffraction. Ainsi, par exemple, lorsqu'on dispose d'un spectre de diffraction pour une phase cubique ou autre d'ailleurs, on ne peut pas disposer de l'indexation des différentes raies. D'ailleurs, c'est ce qu'on cherche à avoir par détermination du mode de réseau de Bravais. Ainsi, par exemple, si la phase est cubique simple, la première raie serait 1, 0, 0. Mais si la phase est cubique centrée, la première raie devrait être 1, 1, 0. Et si enfin le mode est face centrée, la première raie doit être 1, 1, 1. Ce qu'on ignore jusqu'à présent, puisqu'on cherche encore à déterminer le mode qui va nous permettre d'identifier justement l'indexation de ces raies. Dans ces conditions, et pour pallier au problème de la méconnaissance de l'ordre de diffraction, pour calculer D, on va considérer que tous les pics de diffraction expérimentaux correspondent chacun à une famille donnée qui est en train de diffracter à l'ordre 1. Et dans ces conditions, pour tous les pics de diffraction, la relation qu'on va exploiter, ça va être 2D sinus θ est égal à 1 fois lambda. Par voie de conséquence, la distance D recherchée serait obtenue par la formule D est égal à lambda sur 2 sinus θ. Nous signalons à cette étape que dans le cas où on ne souhaite pas faire le calcul de D, des abacs permettent d'y accéder à partir des angles de diffraction. Et une fois qu'on dispose de la liste des distances interréticulaires, on procède au calcul des rapports expérimentaux D1 sur DI. Et disposant alors de la liste de ces rapports, on la compare alors aux listes caractéristiques des phases cubiques simples, cubiques centrées et cubiques à face centrée. En cas alors où les 6 premières valeurs sont les mêmes que celles du cubique simple ou cubique centré, c'est à partir de la 7e valeur qu'on va alors trancher entre les 2 modes simple ou centré. Mais en cas où la 2e valeur du rapport D1 sur DI avoisine 1,15, c'est que le mode est sûrement un mode cubique à face centrée. Une fois alors le mode de Bravais déterminé, l'indexation des pics ou raies de diffraction se fait alors de façon aisée. Ainsi, par exemple, si on trouve que le mode est primitif, c'est que la première raie doit être 1, 0, 0, la seconde 1, 1, 0, la troisième 1, 1, 1, et ainsi de suite. Mais si le mode est cubique centré, c'est que le premier pic de diffraction doit être 1, 1, 0,
le deuxième 2-0-0, le troisième 2-1-1, et ainsi de suite. Et si enfin le mode est cubique à face centrée, c'est que le premier pic ou ray de diffraction doit être 1-1-1, la deuxième 2-0-0, la troisième 2-2-0, et ainsi de suite. Et une fois le mode identifié, on peut également déterminer la valeur approximative du paramètre de la maille. Ainsi, dans le cas où le mode est primitif, c'est que le paramètre de la maille n'est autre que D1. Mais si le mode est centré, c'est que le paramètre de la maille est égal à D1 racine de 2, puisque D1 dans le centré est égal à A sur racine de 2. Et si enfin le mode est cubique face centrée, le paramètre de la maille va correspondre à D1 racine de 3, puisque la distance interréticulaire du premier pic, 1, 1, 1, n'est autre que A sur racine de 3. J'espère que la présente vidéo vous a bien servi et à la prochaine.